Le jour d'après, vous avez déjà vu ce film? Le jour d'après, la catastrophe naturelle. Qu'est-ce qui se passait une semaine après cet épisode semaine le meurtrier? Millénaire, n'entendant plus de bruit, ce sera le calme plat. Ce sera la désolation. Le barrage aura sauté. C'est une vague submersion qui va arriver sur toute la région alsacienne. C'est le silence. Ce sera le silence. Le jour d'après, ce sera le silence. On entendra que les hélicoptères, les secours. Il y aura des milliers de victimes. Tout est détruit. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Mais Olivier Justet avait raison. Il avait raison. Et qui c'est qui va être mis en examen? Monsieur le préfet, le conseiller général du Gard, la mairie, les maires concernés. Bref, tout ce petit monde, ils auront chaud aux fesses, je vous le dis, moi. Donc, avant que ça se passe, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Moi, je dis, il faut mieux prévenir que guérir. Donc, monter une association et toucher l'argent de l'Europe pour aménager le Gardon et protéger notre région de cette crue millénaire qui va se produire cette année. Comme chaque année, quoi. Donc, là, avec le facteur chaîne, c'est dit minime. Donc, si on est sauvé de ça cette année, ça peut être l'année d'après. Donc, voilà. Voilà, donc je vous le dis, voilà. Merci.